こんにちは。Il y a 20 ans, au plus fort de la politique d'importation en masse de champions internationaux au pays du soleil levant, une expression disait en France que le Japon était un grand trou où tout rentrait mais d'où rien ne ressortait. Voilà où allaient tous ces cracks. Shadai Farm, sur l'île d'Hokkaido, au nord du pays, créé par le grand-père Yoshida qui avait acheté ses premières juments américaines à l'époque de la Prohibition il y a un siècle, développé par le père Zenya et dirigé aujourd'hui par le fils Teruya Yoshida. Avec son frère Katsumi, qui a créé Northern Farm juste à côté, les Yoshida possèdent plus de 1000 poulinières. Ils gagnent 30% des courses au Japon et empochent 70% des primes à l'éleveur. Ce sont les seuls à avoir de grandes surfaces. Ici, 600 hectares pour le hara qui abrite aussi le centre de pré-entraînement, où se préparent pas moins de 400 yearlings montés par 80 cavaliers et chronométrés chaque jour sous l'œil du patron. Dans un pays restant fermé, mais en quête de reconnaissance, les Yoshida continuent d'acheter en masse sur les plus grands marchés de la planète, même s'ils produisent aujourd'hui, avec leur élevage propre, des chevaux parmi les meilleurs du monde, ce qu'ils prouvent à l'étranger. It's our dream to win races internationally, but it's coming gradually. C'est notre rêve de gagner de grandes courses internationales. Cela vient petit à petit. Depuis plusieurs années déjà, nous envoyons des chevaux à Chantilly pour courir l'Arc de Triomphe. Nous avons gagné plusieurs groupes 1 à Dubaï. Nous avons aussi brillé en Australie au niveau des groupes 1. Un cheval japonais a gagné la Caulfield Cup. Également des courses internationales à Hong Kong. Pendant longtemps, le yen était très fort et les allocations si élevées au Japon qu'il était dur d'envoyer nos meilleurs chevaux courir à l'étranger. Mais maintenant, c'est l'option que nous devons prendre pour démontrer à tout le monde à quel point les chevaux japonais sont bons. Japanese racing have some essence of American dart horse dart races. Nos chevaux descendent pour beaucoup de courants de sang américains, les chevaux de dirt. Mais nous avons aussi importé beaucoup d'Européens. Donc, on ne sait jamais vraiment à l'avance quels seront les résultats de nos croisements. Nous avons eu beaucoup de succès avec Sunday Silent, c'est un pur américain. Mais on a aussi réussi avec des étalons et des poulinières de souche européenne ancienne. On peut dire que le Japon représente un mix de tous les grands courants de sang bien différents dans le monde et qu'en plus de cela, le rythme très rapide de nos courses a rendu notre élevage très performant. Parmi toutes les importations, celle de Sunday Silence en 1990 a marqué un grand tournant dans l'histoire de l'élevage nippon. This is more than our estimation that happened with Sunday Silence because ce qui s'est passé avec Sunday Silence a dépassé toutes nos espérances. Sunday Silence, bien sûr, c'était un champion aux États-Unis. Mais à cause de son pedigree, il n'y était pas très convoité comme futur étalon. Donc, il est arrivé au Japon. Ses premiers chevaux ont commencé à courir et ont réussi sur toutes les distances, 2000 mètres à 3200 mètres, avec des 2 ans et puis aussi des chevaux d'âge. Et quelle que soit la surface. Ils allaient très bien sur le dirt, comme en Amérique, mais presque encore mieux sur le gazon. Personne ne peut imaginer avoir autant de satisfaction avec un étalon. L'influence de Sunday Silence a dépassé les frontières du Japon, notamment avec des chevaux entraînés en France. C'est le grand-père paternel de Natagora, gagnante des 1000 Guinées, et plus récemment le grand-père maternel de Cara Conti, gagnant de la poule d'essai et de la Breeders' Cup Mile 2014. La mère de Sunday Silence était une jument assez ordinaire aux États-Unis, même si elle avait gagné beaucoup de courses. Mais les 5 ou 6 premières années de production, elle était restée vide. Et le premier des seulement 4 poulains qu'elle a eu, c'était Sunday Silence. En bref, c'est un miracle. C'est le rêve américain, mais désolé pour les Américains, il est arrivé au Japon.
Mort jeune à 16 ans, Sundays Islands a trouvé son successeur à la Shaddai Stallion Station, à une demi-heure de route qui abrite les 30 étalons de la famille Yoshida, son fils Deep Impact, ancien crack des pistes devenu tête de liste avec Gentil Donna et tant d'autres. Son principal rival est son voisin de boxe King Kamehameha, fils de King Mambo, qui croise bien avec le sang de Sundays Islands. On retrouve aussi Turtle Ball, l'ex-français qui a sailli 100 juments en 2014. Le célèbre double dauphin de l'arc, Orfèvre, a sailli 244 juments pour sa première saison de monte. Il est donc encore plus populaire que l'autre fameux débutant noveliste, pur fils de Monsoon, gagnant des King George, qui a commencé avec 160 juments. Même surpuissants, les Yoshida ne travaillent pas en circuit fermé, ils envoient des mères à l'extérieur, et les juments des clients sont prioritaires aux saillies de leurs étalons. At the moment, we have Deep Impact. He's a super stallion now in Japan. The only thing we have to do is buying super potential mares. Actuellement, nous avons Deep Impact, notre meilleur étalon au Japon. Du coup, tout ce que nous avons à faire, c'est d'acheter les meilleures poulinières potentielles. Il y a encore 5 ou 6 ans, le yen très fort nous a beaucoup aidé pour acheter de grandes juments. Mais maintenant, c'est plus difficile car le yen a baissé. Et puis aussi, le marché est plus concurrentiel avec les achats arabes. Mais nous continuons. Je viens d'acheter des juments très chers aux États-Unis et des bonnes poulinières en France aussi. On fait ce qu'on peut. Le jour de notre visite, fin novembre 2013, deux nouvelles stars françaises ont débarqué à Shaddai. La toute petite Alzane Velda, mère de la championne de 2 ans 2013 Vorda, revenue de Tunisie après avoir été adjugée 1500 euros à Deauville. Acquise dans un petit haras normand, elle a été saillie par Redoute Choice. Aussi, la grise Place Vendôme, la mère de Style Vendôme, gagnant de la poule d'essai 2013. Achetée à Guy Pariant au haras de Colville et saillie au printemps 2014 par Frankel. Elles rejoignent un aéropage de championnes internationales et notamment françaises achetées par Patrick Barbe après ou pendant leur carrière de course. Comme ici Sapreza, triple gagnante de groupe 1 chez Rodolphe Collet et pleine d'orfèvres, après avoir eu une femelle de Deep Impact en 2014. Taille de Guêpe, la mère de Cyrus des Aigles, est elle aussi partie au Japon, alors pleine de Siyuni en 2013. Voici son premier produit nippon, un mâle de Deep Impact. Cette élégante fine Monsoon noire a été l'une des meilleures juments du monde. Stacelita. Elle a remporté le prix de Diane, le Vermeil, le Romanet, plus deux groupes 1 outre-Atlantique. Elle est pleine de Deep Impact après avoir eu une femelle de Frankel en 2014. Stacelita avait conclu deuxième de l'opéra battue par Lily of the Valley, qu'elle retrouve à Shaddai, où cette fille de Galiléo, aussi entraînée par Jean-Claude Rouget, est pleine d'orfèvres. Teruya Yoshida peut dépenser des millions d'euros pour l'achat de juments prestigieuses. Il est sûr de vendre les produits pour des sommes considérables, soit en vente publique, 500 à 600 chevaux par an, soit des foals sur liste d'attente, ou encore des yearlings en syndication sur catalogue, où les 300 lots s'arrachent en moins de 2 jours. Tout réussit au Yoshida. Les deux frères dominent tant leur pays qu'ils ont pris en tant qu'éleveurs les 5 premières places de la Japan Cup 2014, remportées par Epifania sous la selle de Christophe Soumillon. Mais ils poursuivent encore un rêve resté inaccessible. L'Arc de Triomphe, Paris, la France, un pays auquel ils sont très attachés et où leur destin a changé. If we see in the past, the first very successful stallion was Northern Taste. Notre premier grand étalon au Japon a été Northern Test. Il a été acheté à Saratoga, en Amérique certes, mais il a couru en France, entraîné à Chantilly par John Cunnington. Ah, je m'en rappelle très bien, le père. C'était un vieil entraîneur qui a fait un super travail avec ce cheval. Because Chantilly racetrack is very near from the capital of France. Vous savez, Chantilly est tout proche de Paris. C'est très agréable pour nous, car à côté des courses, il y a plein de choses à voir et à faire à Paris. Donc, déjà, mon père a toujours préféré avoir des partants en France, d'autant plus que les allocations y sont bien supérieures qu'en Angleterre.
L'empire des Yoshida s'est construit pierre par pierre depuis un siècle. Un jour, forcément, il fera sa plus belle conquête, l'Arc de Triomphe. C'est une mission confiée à une armée très spéciale nommée les 1000 Poulinières.